pas, c'est pour ça que ça ne prenait pas personne. Ah oui! Es-tu belle? Ah oh ouais, belle. La voyez-vous bien? Oui, oui. Elle est aussi belle qu'il y a 20 ans. Yeah! C'est vraiment. On va essayer de la conserver dans 20 ans. OK? Ouais, oui. Faut quasiment. Ben, où est-ce qu'est Lise? J'espère qu'elle n'est pas partie de bord. Ouais, elle est déjà partie de l'autre bord. Oui, okay. Elle Boum! Comme qu'ils disent par chez nous. Oui, je sais. C'est nous qui décidons où on passe. Ça valait bien, notre affaire. Oui, on a un trajet. Non, à Québec, c'est pas P6, c'est 19-2. C'est quoi le trajet? C'est 19-2, hein? Le nom du règlement à Québec contre les manifs sans itinéraire. On veut pas manquer notre bateau. Ça vient-tu? Messieurs les policiers, faites arrêter le bateau. C'est quoi le trajet? Ben, on descend jusqu'à... On descend jusqu'au bateau. C'est quoi la perruque? Le chemin le plus court. Pour le son? C'est pour pas que ça fasse le vent. Non, je suis pas live encore. Il y a plusieurs femmes qui sont discriminées. Moi, je connais plusieurs femmes qui sont bien écœurées. Moi, je connais plusieurs femmes qui ont décidé de lutter. Moi, je connais plusieurs femmes qui en laisseront plus passer. Franchement, là, j'en reviens pas comment elle sort bien. Oui, hein? Mais t'as fait de qualité. Oui, oui, pareil. Les deux. La voix. Faut croire qu'on a eu du budget. Hein? C'est ça. Budget. Budget. Ça va être un groupe d'hommes, je pense, la chambre de commerce. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, tournant. Monsieur le policier, merci. Going on the ferry, on s'en va sur le traversier. Simon. Regarde juste en face, là. Restaurant Barbac. Puis, il y a monté du vin à côté des diables. Ah ouais, faut monter. Quand on passe dans le coin, là. Fait de la promo, le vin, quand même. Regardez un morceau. Bon, première fois, je prends le traversier. Non, ben, je m'attendais, tu sais, comme un billet de cinéma, il déchire en deux, puis il t'en laisse un morceau. Mais c'est parce que ça laisserait des traces. Ah! Oh.
On est rendu à CIA ici. Veux-tu une tienne là-dessus? Ça te termine là. Je vais te dire, après, écoute, on a vendu tant de bruit. Ah, good! Hey, ils vont faire, ils gardent le train ici. C'est pas sérieux, là? Ah, tiens, garde les lits. Faut pas revenir les trains, là. Mais non, Mathieu, là. C'est sûr. Non, il y a pas de train. Garde les lits. C'est le métro de Montréal. Ça s'appelle comme ça. C'est le métro. Non, mais c'est pas ça du tout. Mais tu es au courant, toi? Oui, je suis au courant, regarde. En tout cas, il y a un gros rouge, là. Regarde, on fait comme de l'eau. Tu sais, ça va être Ouais. Ah oui, ouais, c'est pas un rouge, c'est deux aimants, une paire de sueur. Ah oui, c'est vrai, mon. J'y pensais même plus. Here's the ferry. L'altraversier, c'est quoi? Le NM Alphonse Desjardins. Oh boy, puis on peut sortir sur le deck. So, having a demo and a ferry visit at the same time. This is cool. Hey, ben où est-ce qu'on fait pour y aller? On sort là. C'est pas le genre d'image que le monde est habitué sur le live stream. Go to the top, this is not the kind of images people are use on this live stream. If you're going to spin on the sol, c'est flyer la vue. Ah, attends un peu, je vais y aller on top, hein, attends une seconde, là, je vais quand même faire une coupe d'image ici. C'est plus proche de faire la tête que tu as besoin. Je te le. Moi, je fais qu'imaginer le monde des occupés et what the hell, qu'est-ce qui se passe en live avec encore, son live? Là? Oui, je suis live! Ah, puis il y a une clé là. Là, comment est-ce qu'on fait pour aller sur le top? Tu veux-tu aller voir en bas? Ben, aller voir en bas, ça va être le deck des chars en bas. Ouais, mais c'est cool, là. Non, on est encore quoi, relativement haut de l'eau, fait que... Sinon, on peut aller. On va aller voir en haut, peut-être. Est-ce qu'on
Ah oui, je te suis. C'est toi qui joues le guide touristique à matin. Comment? Bon, tu sois vacciné. Bienvenue à Québec. Alors, dis ça, je te crisse par-dessus bord. Ok, ça passe. Oh, ouais. Oh, ouais. C'est vraiment nice. Tu grimper là, là, pour aller piner ça sur le top. Hein? On va aller grimper ça, on va aller spinner sur le top. On se fait ça, je suis I'm the king of the world. Non, on n'est pas sur le pont, ouais, en avant. C'est super beau. I'm not the king of the world, I'm king Québec 77, quoi. Oh, yes. Oh, wow, on peut pas traverser? Non. Ben là. Sûrement une façon d'aller sur le deck en avant. Je peux pas aller sur le deck, je peux pas. Bah, c'est plate ça. Ah, fuck it, on retourne en dessous. Quand tu vas voir, quand ça va tourner, c'est super beau. Là, il y a le dock qui est drette là en face. Là. Ben quoi? Le dock, le quai là, qu'on s'en va, là, c'est drette lui là en face. Là. Tout à fait. Le port de Québec. De l'agrandir, justement. C'est vraiment un navire de guerre français, ça? C'est ça. Là? Ouais, ça se peut. Je sais pas. Wow. Hey, c'est quelqu'un qui s'y tente de faire des recherches ce matin. Aussi, je regarde le moins, là, non. Et lui, je veux. Et le gros Chris de paquebot qui est là, c'est quoi? Je sais pas. Sûrement un truc touristique. Il y a ça, on dirait le Ville-Marie qui vient de Montréal. Non, non. Le Louis-Joliette. Ouais, ça c'est Louis-Joliette qui est là. Ouais, c'est ça, il vient à Montréal il aussi. Il parle des discos là-dessus. Ouais, ouais, il est souvent à Montréal, ce bateau-là. Ah, ben pour moi, il passe, il doit faire Québec-Montréal. Je l'ai pris avec ma femme. T'es un peu, c'est-tu le soir de notre mariage qu'on était? Non, 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 ça c'était le tandem. On l'a pris, je pense, c'est l'année d'après ou 2 ans après. Ouais. Un soir de feu d'artifice. La garde-côte. OK, puis ça, c'est les stockages. Là. Ils veulent en construire 3 des boboules blanches, là même, là, qu'il y a dans le fond. Ouais, bonne question. Oui, il me semble que ça vient d'en parler, là, puis. Ça fait pas longtemps qu'elle est là, cette boboule blanche-là. Yep. T'es encore c'est live, toi? Boboule blanche-là. Yep. Tu vas faire une petite visite guidée. Ah, attends un peu. Dirigez-vous immédiatement vers l'un des postes de rassemblement. Repérez les pictogrammes verts et blancs illustrant un groupe de personnes pointées par 4 flèches. L'équipage vous y transmettra ses directives. Vous y trouverez des gilets de sauvetage. Veuillez consulter les affiches au poste de rassemblement pour les enfiler. Les dispositifs d'évacuation sont situés sur le pont des véhicules. Un membre d'équipage vous guidera jusqu'à cet endroit et vous indiquera la marche à suivre. Merci d'avoir choisi la Société des Traversiers du Québec et bonne traversée. The captain welcomes you aboard. Here are a few safety recommendations. If an emergency situation arises, the general alarm, 7 short sound blasts and 1 long sound blast will be activated. All passengers are directed to gather at the muster station to receive further information from the crew. These muster stations are identified by green and white pictograms with an arrow in each corner pointing to a group of people. At these stations, you will find life jackets. Please refer to the illustrations and instructions near the muster station to endorse and use them. The evacuation devices are located on the ground. Oh, fuck on.
on bouge. Ouais. C'est pas Bernard Drainville. Ouais. C'est à ouais. Capitaine Drainville. Asti. This has got to be the coolest demo I've been on ever. It's a cool one. Ah man, ça doit être la manif démonstration la plus cool que j'ai jamais été dessus. Come on est sur les traversiers, man. Ah ouais. On m'aurait dit que pendant une manif que j'irais faire un tour de traversier, je l'aurais jamais cru. Je l'aurais jamais cru. Tu veux-tu t'essayer? Tu veux-tu le faire, là, ton King of the World? Non, mets-toi là, là. Je te ramasse par en dessous. Alors, pour ceux qui m'entendent déblatérer et niaiser un petit peu, j'ai un camarade gapaesque avec moi. Ça l'explique les petites dérives. So for those of you wondering why I laugh so much and fool around a bit, it's because I got a partner here, one of my friends that's also filming. La seule fille. Pourquoi est-ce que le drapeau canadien est en berne? Sa citadelle en haut. Oui, il est en berne, il est à half-mast. Il est en berne. Pose des questions que je sais pas. On est toujours en direct de la marche du Pain des Roses 20 ans sur les ondes de 99media.org. We are still live from the Bread and Roses Walk 20 years on 99media.org. Bon. Oui, allô, je suis en direct. Pas le Québec, c'est le Canada. Le drapeau canadien est en berne pour Jacques Parizeau. Ah, OK. Ouais. Bon, c'est ça. OK, c'est beau. Je trouve ça juste bien drôle, moi, d'avoir le drapeau canadien en berne pour Parizeau. Drapeau québécois, je comprendrais, là, mais le drapeau du Canada... Bon, regarde. Ouais, ça doit être quelque chose de style. Google-moi donc ça, le P-740 de la marine française. C'est un petit maudit bateau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait ça? Puis là, je te lâche parce que je retourne à mon live. Bye! The joys of live stream, having a call while we're live. Bon, on commence à approcher pas mal de Québec. Alors, lequel de vous autres qui veut faire un Martin Drainville de lui-même, là? Non, c'est pas Martin Drainville. Là, le bateau, il va faire ça. Tu sais, attendez, juste au cas où vous n'auriez pas compris, le bateau va faire ça. Tu sais,
So. J'espère tellement que Jen Pioli regarde. C'est assez spécial. Ah, oh, puis le capitaine, c'est un bon capitaine. Ah, puis, oui. Capitaine, mon capitaine. Et si, ouais, le bateau s'appelle le Black Watch. Ah, je l'ai vu. Il était là avec sa pancarte le 22 avril pour le prochain. C'est quoi le gros monastère ou couvent qui est là? En haut? Et ça, c'est l'édifice Price, Château Frontenac, la citadelle. Je reste dans le quartier. Oh boy, hey, on est attendu à part de ça. Comité d'accueil. Là, on change de. On change de la SQ. Tantôt, ouais. Là. Là, tantôt, c'était Lévis. Là, on se ramasse avec le SPVQ de Québec. Le flic, tantôt, là, il a offert un lift à la fille pour la monter en haut, la madame. Ah ouais? Ah oh, ouais, ouais. C'est quoi? C'est pas à Montréal qu'on verrait ça. Non, non, c'est à Lévis. Ben, il aurait à faire un lift. Ce serait pas pour... Il donne un P6. C'est pour l'envie. Là, il y a du monde en haut, c'est peut-être eux qui nous attendent. Ah oui, le funiculaire de Québec. Ah oui, du funiculaire. Ouais. Moi, je suis venu une couple de fois. Je suis venu une couple de fois à Québec, c'est la première fois que je suis en Basse-Ville, ça. Je suis jamais descendu plus bas que la terrasse en haut. C'est le fun, c'est en bas. Surtout quand c'est les fêtes de Nouvelle-France. Ben, les premières années, c'était bien. Dans les années, je suis venu, je n'ai pas fait trop. Un petit peu déçu de voir le tour de nos amis. Parce qu'au début, c'était le fun. Tu vois, quelque chose. J'arrive, je fais que tu vas te faire. Si, ouais, on sent le bateau shaker parce qu'il a reviré ses
chers passagers, vous êtes tous priés de descendre une avion. Si vous désirez faire une traversée à la voiture, vous devez descendre une voiture et prier la table pour embarquer en avion. Et ainsi comptabilité dans le décompte des passagers exigés par Transport Canada à des fins d'évacuation des navires. La Société des traversiers vous prie ainsi de votre collaboration. Dear passengers, all passengers. Combien de fois par jour ça se fait? 35 fois par jour, wow! Peut-être que c'est la madame. Ouais, ben c'est ça, il y a peut-être un premier en avant. Non, pas tout. Un autre petit bébé. Ça serait elle. C'est que ben. Ouais. Alors, Jette. Enfin, attendez, excusez-moi. Regarde, Jette. C'est pas celle-là, non, ouais. Non. Ouais. Il est là, ça. On va parler de l'image. Merci Simon. De rien. Ok, ton tour. J'adore la barrette. On fait le paniqué, le spiniqué, on se met à crier à qui d'aller. Ah ouais. Bouge pas, bouge pas, Joe. Alors, on est de retour sur la terre ferme. We're back on land. About to be walking out towards the National Assembly, being escorted by the Quebec City Police. Alors, maintenant qu'on est de retour sur la terre ferme, on s'apprête à marcher à Québec jusqu'à l'Assemblée nationale. Continuez d'en donner des itinéraires.
They are they sit. All right. C'est quasiment comme une rate mécanique. On va aller dans la rue. À qui est la rue? Ouais, ça c'était le 1er mai. La rue, la rue. Ça va? Yann est là, là. Solidarité! Solidarité! Jusque derrière le chef de police. On se concentre derrière. Véhicule? Oui. Ok, les filles, en rang serré, pas un mot. Oh! 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 C'est live. C'est live. Là, il n'y en a pas de coupe ou de... Sa mère, il a chanté. Sa mère l'a bercé avec ça. Moi, je connais plusieurs femmes qui sont discriminées. Moi, je connais plusieurs femmes qui sont mal écœurées. Moi, je connais plusieurs femmes qui ont des difficultés. Moi, je connais plusieurs femmes qui n'avaient pas pu passer. Moi, je connais plusieurs femmes qui sont discriminées. Moi, je connais plusieurs femmes qui sont mal écœurées. Moi, je connais plusieurs femmes qui ont des difficultés. Moi, je connais plusieurs femmes qui n'avaient pas pu passer. Oui! Oui! Wouhou! Faites des bruits en arrière, on n'entend pas! Ouais! Hey! Wouhou! On fait du bruit! On crie comme des gars, quoi! Coude à coude, sans relâche, sans question que les femmes lâchent! Coude à coude, sans relâche, pas les femmes! Coude à coude, sans relâche, sans question que les femmes lâchent!
coude à coude, sans relâche, pas question que les femmes lâchent. Coude à coude, sans relâche, pas question que les femmes lâchent. Coude à coude, sans relâche, pas question que les femmes lâchent. Du pain sur la table, pas des discours de comptable. Du pain sur la table, pas des discours de comptable. Du pain sur la table, pas des discours de comptable. Du pain sur la table, pas des discours de comptable. On se laissera pas appauvrir, on se laissera pas désunir. On se laissera pas appauvrir. On ne laissera pas appauvrir, on ne laissera pas désunir. On ne laissera pas appauvrir, on ne laissera pas désunir. Les femmes du Québec vous disent qu'on n'est pas une marchandise. Les femmes du Québec vous disent qu'on n'est pas une marchandise. Les femmes du Québec vous disent qu'on n'est pas une marchandise. Les femmes du Québec vous disent qu'on n'est pas une marchandise. Ouais, ben ralentissez parce que vous faites y a un gros trou en arrière de vous autres. Attends, madame! On se prend de l'arbre, mon tacon. On va poser. Ils nous ont donné la poussette. Il y en a des plus faciles, hein? Est-ce que quelqu'un n'a pas fait son cardio un matin, là? Dans ce temps-là, j'apprécie si l'ombre. Je suis au centre-ville, moi. Comme je dis, Est-Ouest Montréal, c'est flat. Nord-Sud, t'as un problème. Mais Est-Ouest, là, ça va super bien. Des bons mollets, tu sais. Les genoux, le cardio. Hey, pensez à nos madames pendant le show. Si, on va sur une heure. Ouais, mais ils ont tout fait la côte de la montagne. Sûrement. Oui. Partait de l'émoussement en bicep. Pour le rap. Les autres sont jeunes, ça. Ils doivent les agir. Vous la trouverez du côte-là, mais à Montréal, il y a la côte hôtel de ville. Elle n'est pas longue, mais elle est comme ça. Un pointel, les chars accélèrent en top pour jumper. On est à la prochaine étape, là, dans 20 ans. Là, va être rendu à 83. Prochaine étape, c'est pas dans 20 ans, c'est dans 5 ans. Le 25e, ça se fête. Moi, donner des idées, jamais, pas mon genre, ça. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité. Ouais, ben c'est remonter une côte à reculons, là. Monde entier. C'est un peu comme si c'était un chiche. Pas vrai, moi je prends le bus à Québec. Ouais, faut que je trouve la gare du palais, moi. Ça... J'ai aucune idée. Comment ça? C'est beau, ça. Je me demandais à vous autres, quand vous faites
Donc, mettons, des organismes font des conférences de presse, des choses semblables. Est-ce que vous trouvez ça? Oui. Ou juste les manières? Non. Je vois des conférences de presse, je vois des events plus underground, je vois, je fais pas rien que les manifs. Les organismes sont tous des forces de droit. Oublie ça, c'est pas couvert dans tout temps. Non, non, c'est pas plein ça. Non, moi j'y vais. Surtout au niveau communautaire, là. Tu couvres dans le sud? Non, je sors pas de Montréal, par exemple. En tout cas, quand je sors de Montréal comme ici, là, ah, c'est assez spécial. Vous savez, comme quand il y avait eu la manif au Parlement, il y a une couple de mois, là, la petite qui s'est faite tirer d'en face, là. Ouais. Celle-là, j'étais là aussi. Mais ça revient comment, alors, en fin de compte, c'est une guêpe qui l'a piqué ou que ce soit blanc? Non. C'est une mère et puis tout le monde qui essaie de... Ben oui, mais regarde, c'est le même job de démagogie qu'on a de partout. Ouais, c'est parce que si on stalle, il y a tout ça en arrière, par exemple. Il n'y avait pas une côte moins à pic que celle-là. Oh, en plus! À nous, la rue! Il n'y a rien là, j'ai demandé, je dis, il n'y a pas une côte moins épée que celle-là, ils me disent eux autres qui ont choisi le parcours. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. En 2015, ça va marcher, les femmes n'arrêteront pas de lutter! Hein? Je l'ai manqué un peu. Château Frontenac! En 2015, ça va marcher, les femmes n'arrêteront pas de lutter! Frontenac Castle! Castle Frontenac! Les femmes n'arrêteront pas de lutter! En 2015, ça, c'est quoi? C'est Saint... Non, c'est Louis en haut, là. Les femmes n'arrêteront pas de lutter! En 2015, ça va marcher, les femmes n'arrêteront pas de lutter! Ramasse des faces de touristes. Colère, au passage, la manip. Les femmes en colère contre vos mesures austères. 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 Le gouvernement se désengage pour les femmes, c'est plus de charges. Le gouvernement se désengage pour les femmes, c'est plus de charges. Le gouvernement se désengage pour les femmes, c'est plus de charges. Le gouvernement se désengage pour les femmes, c'est plus de charges. Parti libéral, parti patronal. Parti libéral, parti patronal. Parti libéral. Les femmes, debout, plus jamais à genoux. 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 Tout en marche, nous sommes mobilisés. Bravo! Bravo! C'est personne à moi
partie de la gang au moins. Ils sont rendus là-bas, tu sais. Ah, on peut en attendre. Ouais, ça sera pas de mauvaise idée. On ralentit! La moitié de la gang. Il y a un autre groupe. Alors, l'arrière-garde qui arrive. The back end of the demo now arriving. The amount of hills we've just been through, this is like San Francisco. Aline, avec Arisha, nous suivre, Aline. Ah, pas d'allure. Oui. C'est bon? On est prêts à recommencer. On avance! On avance! On recule pas! 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 J'ai pas d'expérience dans ma vie, pas en route. Des slogans, j'ai 5 ventes au fur et à mesure. J'en aurais une couple de slogans, ils sont un petit peu trop subversifs pour la marche aujourd'hui. Oui, oui, exactement. Il faut respecter la diversité des tactiques. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. C'est elle, Mercedes? Non, Mercedes est restée là-bas. Elle est là-bas? Nous, on s'est connus en 2000. 2012, dans notre cas. Alors, on est toujours en direct de la marche du Pain des Roses 20 ans plus tard sur les ondes de 99media.org. We are still live from the walk. Bread and Roses, 20 years later, on 99media.org. For those of you who are unfamiliar with Bread and Roses Walk, you have to go back to early June 1995 and find out. You can Google it pretty easily, but you might get actually more chance of finding something if you do it in French. Du pain et des roses. Lise! Hey, tiens ton bandouette! T'es tout croche! Mon papier, c'est trop loin! Sans relâche, pas question que les femmes lâchent! Pense à prendre, sans relâche, pas question que les femmes lâchent! Du pain sur la table, pas question que les femmes lâchent! Du pain sur la table, pas question que les femmes lâchent!
Alors, on est toujours dans le vieux Québec. We are still inside the old Québec. We are a few street corners away, a few blocks away from the National Assembly. On est maintenant à quelques coins de rue de l'Assemblée nationale où il y aura lieu des discours et d'autres activités. So, in a few blocks from here, there's going to be some speeches and other activities that are going to happen. Tu payes des roses pour qu'on se repose.
Alors, on traverse cette porte et on arrive à l'Assemblée nationale. We just need to go through this gate right here. And we are arriving at the National Assembly. Quebec. This is where speeches and all the other activities are going to happen. Y a-t-il quelque chose de... Ah oui, tout est installé là-bas. Parfait. Oh, wow! Alors, arrivé sur
devant l'Assemblée nationale à Québec. Right now, we are right in front of the National Assembly here in Québec. Ça paraît que c'est pas une manif étudiante. Il n'y a pas d'SQ, pas d'SPVQ, pas de barricade tout le tour du Parlement. Mais non, le profilage n'existe pas. Oui. C'est où, Lise? Ah, mais je peux regarder. Ah, c'est parfait. Ça veut dire qu'on va être ici, donc, toute la gang. Allô, Lise, c'est formidable de vous voir arriver comme ça. On se voit deux minutes. Oui, parce que là, je viens de parler avec Régine. Oui. C'est Lise, tu veux? Non, merci. Merci. Au micro. Puis, enchanté, c'est moi, Simon. Oui, je te connais, toi. Non, oui. On a marché, on a pété. Oui. On a bougé. Je comprends pas. C'est génial. C'est génial. Ah, oui. Le 24 juin, entre autres. Lui, là-bas, qui se bat contre la sac. Ça va le pogner. Ben, si tu veux le pogner, moi, je reste ici, t'inquiète, elle va faire ses trucs. Hein? Automobile. Non, c'était un gars qui s'est fait fourrer par la SAC. On continue parce que, hein, il y a deux. Bon, ouais, vas-y, lâche-toi lousse. Non, on n'a pas fini. Michel. Thank you.
Test 1, 2, test 1, 2. Bon travail, hein? Test 1, 2. T'as pas besoin de la compétition? À part d'avoir un meilleur auditoire comme moi, là, la qualité n'est pas là. Moi, j'attends des liens. Hey, t'as le choix entre la quantité ou la qualité. Parce que, puis en même temps, c'est pas ces deux-là qui est le problème. Les équipes qui sont sur les terrains et qui vont avec ça de même, c'est pas vraiment eux autres. C'est le monteur directement à la station qui oriente avec l'éditorial. Ils sont capables de poser la première question, mais tu sais, quand tu réponds, on dirait qu'ils n'ont pas la réaction ou les connaissances nécessaires pour poser la deuxième question. Mmh. Donc, ils vont poser une question, tu as une réponse, tu passes à une autre question. Tu vois, il faut t'approfondir, c'est pas ça pour ça. C'est rare. C'est un peu comme nos professeurs dans les écoles, tu sais, surtout les années où on leur enseigne comment transférer de l'information à l'autre, transférer du savoir. Et après ça, ils expliquent tout pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le savoir qu'on veut transférer. On veut transférer ça. Oui. En 3 mois, puis écoute, je trouve ça super, super bien. Oh, membre d'AFIC. Je fais des grands. Il y a CSQ aussi qui a dit qu'il serait là. Il n'y a pas de bannière, pas rien. Certains ont entendu comme une détonation il y a 3 secondes, c'était le coup de canon du midi tapant. So, if some of you heard the detonation that happened a few seconds ago, it was the cannon shot to announce that it is now noon. Bonjour.
En direct du rassemblement de la marche du pain et des roses 20 ans plus tard devant l'Assemblée nationale à Québec sur les ondes de 99media.org. We are still live from right now the assembly of the Bread and Roses Walk 20 years later in front of the Quebec National Assembly, and it's all live on 99media.org. Un merci particulier à Stéphanie pour le texto sur le patrouilleur Fulmore, qui est le bateau français qui est amarré au quai de Québec. Ceux qui étaient en onde plus tôt ont pu voir. So, for those of you who were on earlier, there was a French warship in the Quebec port. So, and I sent out a question and I got an answer on my cell phone. Les gens qui ont des questions, je vais aller faire un tour sur le social stream dans un instant. So for those of you who have questions, hopefully I have answers, but I'm right now trying to get on the social stream. Charlotte particulier, salut D-Max! Oui, 19-2 a été respecté dans la mesure où un itinéraire a été donné, mais pour ce qui est du restant... Mainstream Media s'en va faire des interviews. On va aller voir qu'est-ce que... Je
a d'autres qui arrivent. C'est encore live. Fait que c'est comme corrigé, là. Alors. Hey, présente. De la marche de Montréal à l'Assemblée nationale à Québec. Alors, pour votre information, chers amis Facebook, je vous présente Mme Christiane Sibilotte, qui avait 79 ans quand elle a fait la marche. Elle a marché dans le contingent de Longueuil jusqu'à Québec pendant 10 jours. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle est encore avec nous. Ah, c'est émouvant. Elle a 99 ans aujourd'hui. Alors, c'est vraiment fantastique d'avoir avec nous aujourd'hui cette grande marcheuse qui nous a vraiment donné une belle leçon de vie. Oui. Merci, Christiane. Merci. Moi, je pleure avec toi. 99 years old. At the age of 79, she walked from Montreal all the way up to here at the Quebec National. C'est bon. Toute la marche avec nous, ce contingent de Longueuil. Wow. Oui, écoute, tu peux parler, Mme Pinot, au début, là, moi je voulais parler de même, puis aussi à une autre place. T'as pas préparé ton speech, hein, depuis hier soir? Non. D'ailleurs, il faut que je le sorte, là. J'aurais tellement dû te filmer hier soir quand tu l'as fait à la table. Je m'en suis voulu par après. Deux minutes après, je m'en voulais. Là, je m'en fume une avant que... Puis t'as... De... Veux-tu que je leur montre ce qu'on a fait? Parce que je l'ai la serrer quelque part. Oui. Je vais la chercher. Ah oui, il faut que j'en parle à Mercedes. Les femmes de Lévis, ils ont fait une meurtre comme ça. Tu vas aller la matin. Oui. Oui, elle va servir. Oui, elle va servir. Attention, le fil, ouais, c'est bon. Encore un peu. Bon. Thank you.
Il y avait une heure ce matin. Non, c'était de l'eau. Non, on avait
parce que oui, je me suis dit que l'église ici. Ouais, 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 j'avais pas vu la même discussion. Et moi, là, ça fait deux jours que je cherche ma fille. Bonsoir, j'ai eu la chance de voir Jésus. Je veux te remercier de l'évangéliste que vous avez fait. Je le sais. Moi, Mercedes m'envoie un mot à 9h15. Que j'aime ça. Alors, si vous voulez aimer, habituellement, on prend pas un papier, on parle avec notre cœur. Mais j'ai pensé énormément avec ma tête et mon cœur et avec l'aide de Caroline pour écrire un texte. Je vous porte depuis une semaine et je suis très heureuse d'être ici. Et j'ai écrit ici pour pas que les émotions me mènent. Je pense que c'est important parce que c'est un honneur d'être ici. Alors, je vais vous lire le papier. Alors, ça se dit « Oui, oui, tout le monde! » Oui! C'est un honneur de vous accueillir à mon tour en tant que marcheuse autochtone et animatrice sur le contingent de Rivière-du-Loup. Il y a 20 ans, Manon Massé, alors responsable des trois contingents, est maintenant députée ici, nous avait demandé de faire un rêve pour la marche. Le mien était qu'un jour, je puisse parler pour mon peuple, car les séquelles de notre passé sont encore lourdes. La loi sur les Indiens, les passionnats indiens, la discrimination colonialiste, etc. Je pense qu'on en parle tellement aux nouvelles, mais j'espère qu'elles n'arrêteront pas d'en parler non plus.
Eh bien, 20 ans plus tard, je peux vous dire que mon rêve s'est réalisé. Je me tiens debout devant vous, cofondatrice de la maison qu'on a ouvert Nisnac. Une maison d'hébergement pour prendre notre homme ici à Québec qui a ouvert ses portes en 2009. Pour couronner le rêve, j'ajoute qu'elle fait partie d'un réseau des maisons d'hébergement autochtones au sein de femmes autochtones de Québec, telle que souhaitée par la revendication sur les maisons d'hébergement autochtones. Merci, Manon, d'avoir sonné les rêves en 1995. Je termine en disant que je suis honorée d'être ici avec vous, avec toutes vos histoires et vos parcours. C'est ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivée hier matin. Avec Françoise et Manon, qui ont suivi leur rêve de porter notre voix au niveau politique, je les félicite et les remercie. Je vous aime. Bon 20e à toutes. En alliance avec les femmes autochtones et toutes les femmes du monde pour la marche mondiale de 2015! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous ici. Je vous présente ma collègue pour l'organisation, Lise Fournier, marcheuse du contingent de Longueuil. Et je me présente, Mercedes Roberge. J'étais secrétaire de la marche en 1995. J'étais donc dans l'équipe de coordination. Secrétaire, semble-t-il, c'est pas vraiment le titre approprié, je suis d'accord. Mais c'est... On a préparé pour vous une longue période où vous allez pouvoir témoigner. On veut entendre vos souvenirs de la marche, vos récits de la marche. Alors, dans peu de temps, ça va être à vous. Et c'est Lorraine Gay qui va nous aider à susciter vos souvenirs, à vous demander de vous raconter. On a sur la table là-bas, sera mis des documents. Des documents souvenirs, des documents, merci Lise, un cahier qui vous présente des photos de l'époque, il y en a pour vous. Il y aura deux cahiers en consultation, un en reliure blanc, l'autre en reliure bleue. C'est des photos de 95, vous allez voir vos amis. Et on a aussi un cahier. Un cahier pour recueillir vos souvenirs, vos commentaires d'aujourd'hui et de 95, c'est selon votre choix. On veut garder des traces d'aujourd'hui de ces retrouvailles-là. Alors, je cède la parole à mon amie Lise pour un tout petit mot d'ouverture. 20 ans déjà du pain et des roses. Entendez-vous ces clameurs de 95, ces pas qui cognent sur le bitume. 26 mai, c'est le départ de centaines de femmes déterminées à porter 9 revendications jusqu'à Québec. Pendant 10 jours, elles marchent avec l'espoir qu'on les entende et surtout qu'on réponde à leurs demandes. Inédit. Historique, inégalité. Les murs de l'Assemblée nationale résonnent encore de leur entrée triomphale. Travailleuses, chômeuses, personnes à cité sociale, religieuses, issues ou non de groupes de femmes, de syndicats, de groupes communautaires, marchaient côte à côte en chantant, en scandant des slogans.
comme elles sont belles à voir. Chacune a sa raison de marcher, mais aussi une raison collective, améliorer le sort des femmes du Québec. Sur le passage dans les villages et les villes, elles reçoivent les encouragements de la population. Des bravos, des klaxons, des cloches d'église donnent de la force pour continuer d'avancer. Les médias les suivent à la trace. Des journalistes marchent plusieurs jours avec elles. D'innombrables militantes, organisations et travailleuses voient au bien-être des marcheuses avant, pendant et même après la marche. Les marraines prennent à cœur leur engagement. Elles sont aussi des marcheuses et des animatrices. Quel soutien généreux! Une arrivée à Québec plus que remarquée. Des milliers de personnes formant une aide d'honneur pour saluer les marcheuses et leur exploit. De grandes émotions de la première rencontre du premier comité en mars 1994 jusqu'à l'arrivée à Québec 15 mois plus tard. Une logistique impressionnante réalisée en 15 mois du plan d'entraînement jusqu'aux soirées d'activité en passant par la liste des bagages dans le kit de la marcheuse. Des marcheuses encadrées, des organisatrices zélées, des responsables de contingents, des responsables de l'animation, des relations avec les médias, de la sécurité, des responsables. Ouf! Le bureau de la rue Berry, doublant de superficie, plein de vie, des salariés, des militants salariés, des salariés militants, encore ouf! Et au pas de course, apprentissage rapide, événement inédit pour tout le monde. Du pain et des roses pour se nourrir et embellir la vie. Marcher en solidarité contre la pauvreté et bien plus encore. Quand on est à 200 km du départ d'une marche mondiale, on ne s'arrête pas. 20 ans plus tard, nous sommes encore et toujours en marche. Merci, Lise. Alors, j'invite maintenant la voix de la marche du Pain des Roses, Marie-Claire Séguin, à nous se joindre à nous avec Geneviève Brassette et Ariane Vaillancourt. La voix et le corps. Bonjour. C'est touchant d'être ici. C'est vraiment touchant. C'est une marche qui m'a marqué. Il y a un bateau, hein? Quand on part. Il y avait un ami qui disait, un projet, c'est un rêve avec une date. Ça, avec la marche, j'en ai plus jamais douté. Fait que François, Manon, et des milliers de femmes. Merci d'avoir rêvé au départ, puis nous entraîner dans ce rêve-là. Et j'ai toujours su, à partir de là, qu'un rêve donne quelque chose! Ouais. Je sais aussi que la solidarité fait sortir le meilleur de nous. Ça, c'est le plus bel antidote à toute l'austérité de cœur, de tête et vis-à-vis le manque de vision pour l'abondance que la vie donne. Ouais. C'est drôle, quand je fais mon jardin,
J'ai l'impression que c'est toujours un acte de foi de mettre une graine, pas avoir poussé, pas en mettre 50 où ça s'étouffe, de mettre une graine et ça pousse et c'est généreux. Et la vie est large, c'est nous autres qui la rapetissons. Fait que n'oublions pas que la vie est large. Hier, j'ai réalisé avec Geneviève Rassette et Ariane Vaillancourt qu'elles avaient 4 et 5 ans en 95. C'est fou quand tu chantes avec du monde, il n'y a pas d'âge. Fait que là, je me suis dit, OK, fait qu'on va leur parler de la marche des femmes, on va les inviter de venir chanter avec nous autres. Et les choses importantes, je leur disais aussi, comptez sur la vie, on va sûrement avoir à remarcher et à rechanter pour les choses qui nous tiennent à cœur. Et je ne peux pas faire autrement que penser à notre Hélène Perriot, qui est avec nous aujourd'hui, j'en doute pas, qui était l'auteur, puis une... C'est... je pense que si j'ai nommé une femme un élan du cœur, c'était elle. Fait que, être avec nous autres sur cette terre de femmes-là. Du pain et des roses pour changer les choses, du pain et des
fonctionne. Comment animer après une chanson comme ça, hein? C'est le cœur, c'est l'âme de la marche du pain des roses. Alors, nous allons passer à la période témoignage. En passant, j'espère que vous vous êtes fait des sandwichs aux œufs, hein? Oui! Parce que nous en avions ingurgité une quantité astronomique pendant la marche. Mais elles étaient toutes délicieuses, hein? De saveurs différentes, de textures, de couleurs même. Il y a eu des sandwichs aux œufs roses. Non, c'est extraordinaire. Alors, écoutez, souvenons-nous. Alors, la mémoire, c'est un fabuleux réservoir de sens, d'expérience et d'intuition pour aujourd'hui. Alors, ce que nous allons faire, c'est, à travers nos mémoires personnelles, se bâtir une mémoire collective qu'on partage ensemble. Alors, je vais donner tout de suite la parole à deux personnes qui ont été, depuis tout début, les âmes jumelles, les âmes sœurs de cette marche, Françoise David et Diane Matt. Bonjour tout le monde! Ça fait tellement bien de voir du beau monde de même sur les pelouses de l'Assemblée nationale. J'ai été un peu occupé avec d'autres choses, donc ça a peut-être déjà été dit, si ça l'a été, ben désolé, je radote. On a ici, je pense, la plus jeune et la plus âgée des marcheuses. Est-ce qu'on vous l'a dit? Ah ben, je l'ai dit d'abord. Est-ce que c'est possible de leur demander de venir près de nous? Michel, c'est de toi que je parle. T'as pas le choix. Elle avait 15 ans. Bon, on va voter pour 16. Attendez un petit peu, Christiane s'en vient. Christiane Sibillon, tout le monde s'en rappelle! Ben, tout ça, c'était pour dire à quel point cette marche était fabuleuse, des femmes de toutes les régions, des femmes de tous les âges. Elles ont poussé, par exemple. Hein? Maintenant, mère de famille, plusieurs, en tout cas. Bref, un moment magique. Ça a commencé comment, cette aventure? Ça a commencé par une présidente de la Fédération des femmes qui, par hasard, un soir, enfin, réussit chez elle. Puis là, voit à la télé un reportage sur la marche des Noirs américains pour les droits civiques au début des années 60. Cette présidente de la FFU était justement en train de se demander, c'est un addon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remobiliser le mouvement des femmes, se mettre toutes ensemble. La pauvreté atteint des sommets depuis quelques années à cause des récessions. La situation est difficile, il y a une espèce de morosité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en voyant toutes ces personnes noires, afro-américaines, marcher en courant des grands dangers, d'ailleurs, je me suis dit, pourquoi nous autres, au Québec, on ne marcherait pas 200 km 10 jours? Et là, j'en ai parlé au conseil d'administration de la FFQ, vous dire au début, les grands yeux, « T'es-tu folle? Marcher 200 km 10 jours? » Ben, je dis, oui, pourquoi pas? Les femmes sont capables, elles ne sont pas faites en chocolat. Et puis après, ben, vous le savez, c'est parti, les 9 revendications, un bon momentum politique, il faut l'avouer, 6 mois avant un certain référendum, sauf que ça, on n'y avait pas vraiment pensé, mais on a compris après que c'était utile. Des revendications courtes, simples, il y en avait 9, adoptées par tout le mouvement des femmes, les femmes partout dans les régions qui disaient « oui, on va s'organiser, on va vous accueillir ». Alors, c'est parti rapidement. Je pense que le mouvement des femmes avait le goût de ça, parce qu'une idée, c'est juste une idée. Hein.
si elle n'est pas reprise, si le terreau n'est pas fertile, ben ça reste une idée, puis ça meurt au feuilleton. Mais non, vous avez dit oui. C'est ça qui a fait qu'on a eu la marche du bain des roses. Mais là, après ça, c'est pas tout. Dans le fond, il y a un petit peu de confort à avoir une idée. Tu sais, t'as l'idée. Mais après, il faut le faire. Faut le faire. Et moi, je me rappelle, à l'époque, 94, début 95, on n'a pas d'argent. La Fédération des femmes ne roule pas sur l'or. Elle a vécu un creux historique. Elle n'a pas des tonnes de membres. Il faut tout rebâtir. Et là, arrive une sorte de miracle. Ce miracle-là s'appelle Diane Matt. Elle devient la coordonnatrice de la marche du Bain des Roses. Et véritablement, là, du début janvier 95 au 26 mai, et elle va vous le raconter parce qu'il y a eu toutes les sueurs et les angoisses qui sont venues avec, elle a été vraiment maître d'œuvre, ou si on féminise, est-ce qu'on dit maîtresse d'œuvre? D'accord, pas de trouble. Maîtresse d'œuvre, avec plein de travailleuses, de bénévoles, bien sûr, avec vous, mais tout de même, elle a été le pilier inébranlable qui l'a probablement empêché de dormir parfois, qui a conduit cette marche à bon port. Et moi, je veux sincèrement, avec vous, l'en remercier. Merci, merci. C'est vrai que vous avez Françoise en là, mais je suis pas pire aussi. C'est très bizarre qu'on s'entende. Oui, il faut que je l'oublie. En s'en venant dans la voiture ce matin, je disais aux femmes qui étaient avec moi, en fait, la marche du Bain des Roses, c'était la première fois que j'organisais quelque chose. J'avais organisé dans l'Outaouais des marches la rue, la nuit, femmes sans peur, on était une gang, etc. Mais là, j'étais, oui, on était une gang, mais j'avais comme une petite responsabilité de faire en sorte que ça marche. Et ça a marché. Ça a marché, comme François l'a dit, d'abord et avant tout à cause du mouvement féministe. Et c'est ça qui, moi, me retient et me rejoint le plus, en fait. Autant la croyance que j'avais en m'embarquant dans cette galère de coordonner cette marche, c'était que le mouvement féministe québécois devait effectivement démontrer encore, toujours, pour 10 jours et au-delà, que la force de mettre des femmes ensemble, c'est la force du féminisme. Le féminisme a du sens et une vision quand il est en mouvement. Et la marche du Bain des Roses a très bien campé ça, tellement campé que certaines en ont eu des ampoules de pied. Mais pour moi, c'était vraiment le résultat le plus intéressant. Je suis une féministe de longue date qui a travaillé et qui travaille toujours contre la violence des hommes envers les femmes, qui croit évidemment que la pauvreté est également un des piliers avec la violence des hommes envers les femmes du patriarcat. Et cette marche-là était une façon de donner un coup de pied dans le pilier. Et pour moi, c'était effectivement d'une sagesse de la part de Françoise de proposer ça, mais c'était aussi un cadeau qu'on se faisait de effectivement se dire les femmes, les féministes ont une vision, on souhaite changer le monde, on le change au quotidien. Maintenant, on doit aller dans la rue et s'assurer que les changements qui, à l'époque, si vous vous souvenez, 95, c'est le début de l'atterrissage du néolibéralisme au Québec. Avec les politiques au Canada, en fait, avec les politiques d'actualité, etc. Donc, ça nous a permis, effectivement, de redire haut, fort, de chanter, de crier, combien
les femmes sont au cœur du changement. Et je pense que tout ici, nous devons être très fiers d'avoir effectivement participé à ces changements qui, évidemment, sont loin d'être finis, mais qui ont, en tout cas pour moi, je sais que ça va marquer de toutes sortes de façons la marche du pain et des roses, mais je pense que ça reste une marque indélébile dans l'histoire du mouvement féministe au Québec. Évidemment, après ça, l'idée que j'ai eue, entre autres, c'est de continuer cette marche-là, d'en faire une marche mondiale, puisque quand on pense mouvement, on pense nécessairement globalement. Il n'y a pas de mouvement juste qui se restreint dans sa cour. Il y a nécessairement l'obligation de penser qu'on doit changer la vie de toutes les femmes. Donc, dans ce sens-là, on a proposé aux femmes du monde de marcher, oui, contre la pauvreté des femmes, mais également contre la violence des hommes envers nous. Et c'est ce qui a enflammé la planète en l'an 2000. Et ça continue, comme vous savez, il y a encore une marche cette année qui va continuer. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce que je tiens le plus, c'est ce cadeau que je me suis fait, que nous sommes faits, de vraiment remettre le mouvement féministe au cœur du changement social au Québec. Et je sais qu'il y a des femmes ici particulièrement. En fait, certaines, il y en a ici qui sont devenues féministes à cause de la marche. J'en ai rencontré une hier soir qui est venue me dire ça. Et il y en a qui étaient déjà féministes, qui le sont toujours, et qui ont maintenant 99 ans et toujours féministes, toujours en marche. Luciane Filiotte, merci. Et là, je fais plein d'anecdotes qui vont sortir. J'en aurai des milliers, moi aussi, mais ça va être trop long. Alors, je repasse. Alors, des anecdotes, là, des milliers, tu vas les dire tout à l'heure, OK? Ouais. Alors, on voudrait offrir le rosier, devinez d'où ça vient, de Rose Drummond. Alors, Rose Drummond, vous savez, a fourni la marche pendant 10 jours de temps, de rose, un peu partout. Alors, Mercedes et Lise ont demandé à Rose Drummond et ils nous ont offert ces trois rosiers en trois. Et tout à l'heure, vous aurez droit à une petite surprise aussi. Alors, voilà. Alors, juste avant de prendre une petite pause, parce que vous êtes venus ici aussi pour jasouiller entre femmes et marcheuses et ex-marcheuses, alors, j'aimerais inviter Madame Christiane Lapointe de Lévis, qui va nous venir nous présenter ce qu'elle a fait dans le cadre de ses retrouvailles. Alors, voilà Madame Lapointe. Je vais continuer mon explication pour Diana, qui ne comprenait pas tantôt ce qu'est devenue la marche des femmes. Alors, ce matin, nous étions une 30-35 femmes à Lévis pour symboliser cette œuvre-là, tout ça, une œuvre collective. Nous avions comme thème, depuis du pain et des roses, chaque pas compte. Alors, chaque femme a eu son pas à écrire, envers endroit si elle le désirait. On a eu des femmes de tous les âges, même des fillettes. Et on a contourné une sphère qui est devenue ceci. On pense la promener à la marche des femmes en octobre. Alors, c'était ça. Le symbole, c'est surtout que à partir du pain et des roses, la marche est devenue mondiale. Alors, on avait choisi la sphère pour le démontrer. Alors, merci à toutes. Je laisse la parole à d'autres.